région a souhaité en 2022 mettre le feu des projecteurs sur la jeunesse. À la rentrée, on a lancé une grande consultation que vous retrouvez juste derrière moi. N'hésitez pas à scanner le QR code. C'est une enquête pour mieux vous connaître qui s'adresse aux 15-25 ans. Plus vous serez nombreux, plus on aura cette visibilité. Et puis, deuxième enjeu de cette visite, les ordinateurs. Cet ordinateur, on a souhaité que ce soit pour toutes les familles. C'est pour vous offrir les meilleures conditions de réussite. Que les élèves soient dotés d'un ordinateur portable à la maison, ça va être quelque chose de très important dans la mesure où on a beaucoup d'activités numériques déjà en classe et qu'elles pourront être prolongées à leur domicile grâce à ce matériel. Moi, perso, je n'avais pas d'ordinateur. Du coup, bah, franchement, c'est bien parce que maintenant, je pourrais vraiment me concentrer sur le travail et améliorer mon suivi scolaire. J'espère que vous en ferez bon usage. Cet ordinateur, il est pour vous. N'hésitez pas à être curieux, à vous renseigner. Pour moi, c'était important de venir pour cette rentrée parce qu'on n'avait jamais inauguré l'extension qui avait été faite. Et l'objectif, c'est de vous offrir les meilleures conditions de réussite. Vous soyez dans un établissement où vous vous sentez bien. Ces nouveaux locaux, en termes de qualité de vie, pour nous sont très importants puisqu'ils nous permettent d'avoir des salles de réunion. Nous avons un amphi de 220 places qui permet de réunir les équipes pédagogiques, les élèves, et puis un CDI, des salles d'études, et aussi pour les élèves, des labos photos, des répétitions musicales. Donc nous n'avions pas toute cette qualité de vie auparavant. Je vous souhaite plein de belles choses. Bien évidemment, je suis encore une fois très très heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui. Merci beaucoup.